quelles sont pour vous les grandes questions que vous vous posez sur la vie? Ça sert à quoi le maquillage? Je ne suis pas certain que ce soit un philosophe qui te répondra à ça. C'est une bonne question. Alors, Wael. À quoi ils servent les cauchemars? À quoi ça sert de faire des cauchemars? Ça, on peut le noter. Benhamar. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Oui. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Exactement, je veux dire pourquoi on existe. Pourquoi on existe? Lorenzo. Pourquoi on meurt? Pourquoi on meurt? Voilà une très belle question philosophique. On va commencer par ça. Alors, Wael. On meurt parce que y a beaucoup de personnes qui font des enfants et quand on fait des enfants, eh ben, on doit leur laisser la place parce que sinon la Terre, elle n'aura pas assez de place pour que tout le monde puisse aller à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Alors, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel? Vous allez lever la main, ceux qui disent qu'il vaut mieux être mortel, que c'est mieux d'être mortel. Oui. Et quels sont ceux qui pensent qu'il vaut mieux être immortel? Bon, c'est à peu près les trois quarts. Aya. C'est mieux d'être immortel, comme ça tu restes en train de manger et dormir. Moi, j'ai dormi. Alors, Aya, est-ce que tu penses que pour toi, la raison principale de vivre, c'est de manger et de dormir? Non. Alors, là, il y a un débat. Hein. Tom. On va à l'école et après, on mange, après, on dort, après, on remange, etc. Ouais. Essayez de dire qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Anaïs. Moi, c'est ma famille. C'est ta famille. Donc, le plus important dans la vie, c'est la famille. Et pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un qui meurt, ça nous fait de la peine. Oui. Benhamar. Moi, le truc l'important de la vie, c'est que on s'entend. C'est de bien s'entendre. Oui. Donc, c'est la relation avec les autres le plus important? Il y a aussi de regarder la télé toute la nuit. Regarder la télé. Donc toi, on est sur Terre pour manger, dormir et regarder la télévision, c'est ça? Alors, qui n'est pas d'accord avec elle? Ben, en fait, moi, je suis d'accord avec Aya parce que... Écoutez. Parce qu'en fait, par exemple, mon père, il rentre à la maison, il mange, après, il regarde la télé. Et après, on le voit le matin allongé sur le canapé, en train de manger. Anaïs. Moi, le plus important, c'est d'être vivante. Le plus important, c'est d'être vivante. Est-ce que le seul fait d'être vivante, ça te rend heureuse? Oui. Au début, je me disais que c'était du sport, la philosophie, mais après, je te comprends, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée moi-même. Ben là, j'ai 7 ans et demi. Je ressens de moins en moins la joie. Je sens que c'est très compliqué à faire ce que je pense. Je sais pas ce qui peut se passer. Dans ce que je vais devenir. C'est trop sophistiqué pour moi, la vie. Ou je sais pas. Franchement. La boule est dans mes pensées. Elle reflète tout au passé. Là, je pense à le moment où je me
tu fais une cicatrice à la main. Le moment où... le moment de mon anniversaire. Et on voit tout le passé. Pour moi, ça me sert beaucoup.